Bonjour, je suis votre présentatrice, Kristen, et cela est l'idole américaine. Attendez, pardon, mais j'avais tort. C'est là, elle est la meilleure cuisinière du monde. Maintenant, nous sommes à la maison de nos concurrents. Allons-y! Kristen, ce n'est pas leur maison. Vraiment? Mais j'ai pensé. Alors, c'était gênant, mais ce n'est pas important. Rencontrons vos concurrents. Ah, bonjour! Oui, bonjour! Bienvenue! Mais bien sûr, êtes-vous prête pour la compétition? Oui, je suis née prête. Évidemment, j'ai étudié tous les jeux pour ce jeu. Donc pourquoi vous ne vous présentez pas? Alors, je m'appelle Andrew et je suis intrayant, non? Non, en fait, je pense que vous êtes laide et trop de ce soir. Mais peut-être vous êtes compétent à faire la cuisine. Et vous? Oh, moi, je m'appelle Gigi et je crois que je suis sympa. Mais je ne sais pas. Ça dépend aux autres gens. Vous êtes mesquine. Bref, c'est le temps pour la compétition à commencer. Dites-moi ce que vous projetez à faire. Je ferai une repas du cassoulet avec une salade et pour le dessert, une tarte au pain. Et que sont les choses que vous avez besoin pour vos repas? C'est nécessaire que j'ai un poêle de haricots, 16 gousses d'ail, 10 oignons, 2 carottes, 3 fleurs, de laurier et une boîte de tomates. Mais c'est seulement les légumes. Aussi, c'est important que j'ai 10 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 pluches d'origan, 4 pluches de thym, une tasse de vin black, 2 tasses de bouillon de poulet et 2 tasses de la chapelure. Pour la viande, il faut que j'ai les 2 girofles du jambon, un poids de bout de devant, demi-poire de pancetta et un poids de saucisson pour porc. D'accord, c'est génial. Et vous? C'est un bon show entre eux, mais mon show est mieux. Je ferai un repas de navarine d'agneau avec une baguette et une tarte aux figues pour le dessert. Qu'est-ce que vous exigerez pour votre repas? D'ailleurs, j'ai besoin de ce temps des ingrédients comme Andrew. Et ils sont de riz d'olive, d'ail, un thym, des carottes, des feuilles de laurier et un bouillon de poulet. En outre, il est essentiel que j'en ai 2 cuillères à soupe. 3 gosses, 6 pluches, 2, 3 et 3 tasses. Il faut que j'ai 2 épaules d'agneau, 2 cuillères à soupe de la pâte, des tomates, 6 rates, des petites carottes, des oignons blancs, 300 g de haricots verts et 230 g de petits pois. Aussi, je serais très triste si j'ai oublié 2 cuillères à soupe de la farine naturelle et une tasse de vin blanc sec. C'est tout bon, mais parce que la compagnie récemment est devenue faillite, il y a une pénurie d'argent. Par conséquent, voilà vos ingrédients. Comment je utiliserai ça? Je ne sais pas, mais c'est parfait pour moi. Je peux les utiliser pour mon repas favori. Ce n'est pas juste. Je n'ai rien d'idée. Oh, c'est trop mal pour vous. Avez-vous fini? C'est le temps pour la compétition à commencer. Vous n'avez que 60 minutes à préparer votre repas. Bonne chance et allez! Gigi, ce ne serait pas difficile pour vous à utiliser vos ingrédients, non? Vous semblez plus intelligent qu'entre eux.
qu'est-ce que vous pensez vous les ferez? Quand j'étais petite, ma mère me ferait une casserole de pommes de terre et c'est un bon souvenir de mon enfance. Elle est mon inspiration parce qu'elle me montrerait les épisodes d'émission de Julia Child. Ah, je vois. Oui, je ne doute pas, je gagnerai parce que j'ai l'expérience. Oh. Pardon, mais c'est évident que je suis le meilleur. Sérieusement? Oui. Pourquoi vous avez les cookies dans votre bol? Quoi? Je sais que vous puissiez faire la cuisine comme moi. Vous ne parleriez pas. Excusez-moi? Oui, je voudrais dire que vous faites la cuisine mieux que les sangs. Pouvez faire de la planche à voile, mais ce serait une insulte au sang. Si vous n'étiez pas silence tout de suite, je vous poignarderai. Je vous verrai assez. Ne me poignarderez pas. Il est 50 minutes qui restent. Vite, vite. Gigi, dites-moi, qu'est-ce que vous ferez si vous gagnez? Je pense que je quitterai mes prêts étudiants parce que sans l'argent, il est possible que je ne sois jamais libre. Aussi, je ferai ma propre restaurant et je visiterai l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud? Vraiment? Et si vous pouvez aller, qu'est-ce que vous ferez? Si je pouvais y aller, je visiterais les plages où je ferais du surf et je ferais du ski nautique. Mais je ne ferais pas de la planche à voile. Je passerais tous les jours à bronzer ou nager dans la mer, mais aussi j'irais à étudier les repas côtiers. Vous voulez apprendre le repas d'Amérique du Sud et pourquoi? Il est utile que je sais beaucoup de différents types de repas si je vais ouvrir mon propre restaurant. Et si Andrew gagne? Mais bien sûr que je gagnerai et puis après ça, je prendrai Gigi sur une date. Jamais en compagnie avec vous. Mais... Non! Les gens ne tomberaient pas amoureux avec leur ennemi. Mais si je gagnais, je utilisais l'argent affiché en divorce avec ma femme Eden. Et je acquitterais ma dette du mariage et aussi ma fracture médicale d'accident. Était votre vie amoureuse toujours cette mauvaise? Oui, c'est triste, non. Mais ce n'était pas mon cas. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Vous êtes fou. C'est que la dernière fille a dit. J'ai un peu peur. Ce n'est pas trop tard de demander pour une audience restrictive, non? J'en veux un aussi. Ce n'est pas que j'ai voulu dire. Oh, désolé, mais la compétition a fini. C'est
temps pour moi à juger vos repas. Zut, je n'ai pas fini ma repas. Avez-vous cuisiné votre repas? Mais non, c'est censé être cru. Non, je ne le pense pas. Je pense que je serai le repas de Gigi. C'est super! Ce n'est pas nécessaire pour moi à essayer l'autre repas parce que Gigi gagne. Vraiment? Jamais! Combien d'argent est-ce que je reçois? La compagnie est pauvre et il faut qu'elle ne soit pas endettée. Mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous donner 30 euros. Quoi? Qui possède cette compagnie? Je le veux à me parler d'argent. Ce n'est pas juste. Oui. Je pense que ce n'est pas juste. Je t'aime bien. Non, vous n'étiez pas. À la fin, je suis votre présentatrice, Kristen. Et regardez la prochaine fois pour un autre épisode de Top Chef. Ce n'est pas le nom de cette émission. Elle ne va jamais la tenir prêt. C'est mieux à le partir seule. Alors, il est juste nous. Vous sortirez avec moi. Non, je ne sortirai jamais avec vous. Non, s'il vous plaît, et moi? Jamais! Non! C'est bon.